Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je m'en prends plus. J'ai entendu que... Vu que t'as chuté... en plus... Moi, c'est pas moi, ça. Que c'est pas... C'est pas moi. C'est pas moi, ça. Hein? Ce que vous dites, là, c'est pas moi. Le nom est méchant. Parce que vous avez fait. Je vais pas m'aller dans mon... Ou à qui, quoi? Qu'est-ce que moi, ça? C'est pas moi, ça. Voilà. Je connais personne dans ma vie. Et ma femme est hôtel. Moi aussi, à la maison. Comment on va me rester la conseil? Je suis pas bien pour ça, là-bas. Quand on s'est marié, voilà, c'est ça. T'as connaissé. Moi, qu'est-ce qu'on ça? Pour déranger quelqu'un. Voilà. Moi, je l'ai marre. Toi, tu te flou. Pour accuser quelqu'un là. C'est lui qui n'a pas quelque chose. Vous accusez quoi? Vous mettez comme ça quoi? D'accord. C'est lui qui veut ça. Vous accusez pas. Parce que moi je ne veux pas mettez quoi? Vous accusez. C'est pas moi. Ah, si vous vous connaissez d'abord. Moi personne ne me connaît pas dans la vie. Voilà. Personne ne me connaît pas dans la vie. Et laissez ma femme tranquille. Ah, c'est ça que je vous parle. Des gens qui parlent comme ça. Pour passer à la radio. Des gens qui parlent comme ça. Ouais. Alors que laissez-moi tranquille et laissez ma femme. Pour accuser quelqu'un. Quelqu'un ce qu'il n'a pas fait. C'est moi ça. Il faut demander. C'est moi ça. Ah, c'est moi ça. C'est lui qui veut m'occuper ça. C'est pas mon affaire. J'ai remarqué beaucoup de choses comme ça. Quand vous avez vu ma femme et moi, on est star. Ça que vous avez comme ça, quoi. Comme un fou, quoi. Moi, je suis pas fou, quoi. Mais c'est lui qui veut, moi. C'est lui qui veut pas, moi. Moi et ma femme, on va faire tout le monde. On va faire tout le monde. Est-ce que tu es un seul comme ça, quoi? Des escrocs comme ça. C'est elle qui gâte l'eau de quelqu'un, quoi. Alors qu'elle est escroque comme ça. Des malheureux comme ça, quoi. Des escroques comme ça, quoi. Mais si vous pouvez, attention, je vais porter mon plat de vin. Inch'Allah. Portez mon plat de vin. Inch'Allah. Vous savez que je suis fou. Hein? Ou c'est votre problème? Hein? Ah ouais? Les noirs, le méchant. Vous êtes méchant. Les noirs, je ne vous connais pas. Moi, je ne connais pas. Chacun va faire attention. Moi, grand-père, je ne connais personne dans ma vie. Personne dans ma vie. Moi, c'est mon vie fait ça. Hein? Je vais vous parler quelque chose. Vous ne connaissez pas, je ne connais pas. Voilà. D'accord, laissez-moi tranquille dans ma vie avec ma femme. Voilà. Des escrocs comme ça. C'est ça qui est la guillée d'information, quoi. C'est ça qui est la guillée là, l'État. C'est vous qui gâtez la guillée, quoi. C'est vous qui gâtez la guillée. Les guillées. C'est vous qui gâtez la guillée. Vous connaissez? Qui connaît grand-père ici? Qui connaît grand-père ici? Tu vas dire, moi? Tu vas dire, qui connaît grand-père ici? Ah, si vous voulez bien dégager la ville, là. Hein? Les têtes noires comme ça, ma femme est. Vous avez regardé les poules, ma femme? Ils sont pas même qualité, même. Hein? Ah, si vous voulez regarder la femme là. Vous pouvez regarder la ville là. Hein? Pour telle, ma femme, ils sont pas même chose. Qualité. Voilà. Et entre nous et lui. Quand après le voyage, on va faire. Voilà. C'est ce que je vous dis. La connaissance est la tranquille. Laissez-la tranquille, Flou. Ah. Voilà. Ça que je me dis. Écoutez, moi, très bien. Ah ah. Moi, j'ai. Moi, ma femme, elle n'a plus de passe. Elle est dans l'hôtel. Moi aussi, chez moi. Ouais. Sauf moi, notre mariage. Voilà, c'est ça. Ça que je me dis. Voilà.
Et puis, bon, attendez, je crois. Voilà. Donc, vous lissez ma fente, tranquille. C'est ça. Ah, c'est grand-père qui parle comme ça. Les maudits comme ça, quoi, qui parlent. Vous connaissez? Tu connais grand-père? Vous connaissez? Ah, voilà, c'est moi, tranquille. Je vais vivre dans ma vie avec ma femme. Ah, on y va. Bonsoir mes loves, bonsoir mes followers, bonsoir ceux qui me suivent. Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Ceux qui sont en train de regarder cette vidéo aussi, je vous salue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Edoxie Yao, c'est mon vrai nom et prénom. Esthéticienne diplômée d'État, je le sais en esthétique. Aussi artiste chanteuse. Ça fait déjà 2 ans que je commençais à chanter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mon portable est tombé. Je tenais d'abord à m'excuser auprès de vous. M'excuser parce que j'ai dit que j'allais faire la vidéo dans 1 heure de temps. Ça fait maintenant 3 heures de temps. On ne faisait que m'appeler de partout. On ne faisait que m'appeler de partout. Au moment où j'ai voulu faire la vidéo directe, je n'arrivais pas à faire la vidéo parce que n'arrivant pas à publier sur mon compte Edoxie Yao. Donc là, c'est à travers mon deuxième compte Facebook que j'ai réussi à rentrer sur ma page. Donc, je dormais. Je me suis réveillée aux environs de 15h, 16h, j'ai mis mon téléphone, mon numéro d'Abidjan sur silence. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de messages et d'appels. Je me suis connectée via WhatsApp et j'ai reçu une vidéo qui m'a estomaquée. Une vidéo qui m'a choquée. Pourquoi ça m'a choquée? Ça m'a choqué parce que ce sont des gens qui me connaissent qui m'ont envoyé cette vidéo. Ça veut dire qu'ils ont cru un tant soit peu que c'était moi. Pourtant, ce n'est pas moi. Je ne suis concernée en rien, ni de près, ni de loin, à cette vidéo pornographique qui circule. Ce n'est pas mon corps. Ce n'est pas moi dans cette vidéo. Il paraît que c'est une vidéo qui est sur un site pornographique. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment des êtres humains vont se lever un matin comme ça et décider de faire du mal à quelqu'un qui ne les a rien fait. Je ne peux pas comprendre que vous osez publier une vidéo et vous dites que c'est moi, pourtant c'est pas moi. Et ils ont écrit sur la vidéo que c'est Edoxie qui a publié cette vidéo. Mais bébé, c'est par respect et considération que je suis venue faire cette vidéo directe. C'est pas moi dans la vidéo. Le but de ces personnes qui ont publié cette vidéo, je ne sais pas. Mais j'ai eu très mal au cœur parce que des amis, à première vue, ils ont dit qu'à première vue, ils ont cru que c'était moi. Ma force de bien regarder, ils ont su que ce n'est pas moi. Je ne suis ni de loin, ni de près concernée par cette vidéo, mes bébés. Par principe même, là, je ne saurais faire une telle chose. Grand-père, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est mon fiancé. Mais lui et moi, on n'a pas encore eu de rapport sexuel. On le fera. Si ça veut même que j'ai des rapports sexuels avec lui ou qui que ce soit, je ne pourrai jamais me permettre de me faire filmer ou de filmer ou de me filmer en train de faire l'amour. Il y va même de mes propres principes. Je ne peux pas faire cela. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi vous êtes aussi méchant?
Donc, certaines personnes vont se lever comme ça pour essayer de nuire à l'autre. C'est vrai, j'ai été beaucoup humiliée. Hein. Beaucoup de personnes m'ont humiliée sur les réseaux sociaux. Ils ont dit des méchancetés sur moi. Les gens m'ont roulé dans la boue. Les gens ont dit de moi ce qu'ils veulent. Mais ce genre de choses-là, au grand jamais, je ne peux faire cela. Au grand jamais. Ce n'est pas moi, mes bébés. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais eu autant mal. J'ai essayé de calmer. J'ai tout fait. Je vais essayer de répondre à vos messages. La douleur, la colère ont envahi mon cœur. Je ne sais pas pourquoi des gens vont se lever pour faire ça. Le but de me faire ça, là, c'est pourquoi. Pourquoi vouloir salir ma réputation? La grâce et la célébrité, là, en tout cas, moi, ma célébrité, là, c'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné. Si jamais aller voir un féticheur ni un marabout, je ne connais pas ça. Tout ce que je connais, là, c'est la prière puis Dieu. J'ai des principes, j'ai des limites. C'est vrai que j'aime être sexy, hein. J'aime porter mes maillots, mes lingeries, mais j'ai des limites. Moi-même, là, je m'impose des limites. Je ne pourrai jamais faire cela. J'ai reçu tellement de messages aujourd'hui. Il y a une de mes amies qui a même bloqué une de ses amies. Ils lui ont envoyé la vidéo. On dit, regarde ce que Doxy fait. Elle dit, mais ce n'est pas Doxy. La personne dit que forcément que c'est moi. Elle dit que ce n'est pas Doxy. Ça ne peut pas être Doxy. Elles ont commencé à se discuter. Elles se sont bloquées. Mes amours, pour tout le respect même que j'ai pour vous, je ne peux jamais faire cela. C'est quel buzz que moi je cherche. C'est quel buzz que je n'ai pas. Et puis je vais aller faire ce step ou une vidéo pornographique. Ce n'est pas moi dans la vidéo. Ce n'est pas mon corps. Ce n'est même pas Grand P même aussi qui est dans la vidéo. C'est la vidéo peut-être des gens qui ont fait ça. On dit c'est sur les sites pornographiques depuis longtemps. Et pour me faire du mal, pour essayer de troubler ma paix intérieure, ils ont balancé ça et ils écrivent sur la vidéo. Elle-même, elle a partagé et puis elle-même, elle a supprimé. Quelle méchanceté. Les gens sont prêts à tout pour nuire à la vie des autres. Vous m'avez fait tant de mal. Mais cette fois-ci-là, je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser. Je vais porter plainte contre X. Ceux même aussi qui ont partagé la vidéo là, je vais porter plainte contre eux. Parce qu'ils ont osé dire que c'est moi. En tant que c'est pas moi. Je vais porter plainte contre eux. Il y a quelqu'un aussi au Bénin qui a publié. Je vais porter plainte contre lui. Je vous jure, au nom de tout ce que je cherche dans ma vie, je ne vais pas laisser cette histoire. Trop, c'est trop, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. J'ai eu très mal au cœur quand j'ai vu cette vidéo. J'ai eu mal au cœur quand des amis à moi ont cru un seul instant que c'était moi. Mais bébé, c'est ça qui m'a fait mal. Et quand tu regardes bien la vidéo, est-ce que ça c'est moi? Est-ce que ça c'est mon corps? C'est pas moi. Et je ne pourrai jamais faire cela. Au grand jamais, je ne pourrai jamais faire cela. Depuis, vous me connaissez sur les réseaux sociaux, là. Si ce n'est pas maintenant que je m'affiche avec Grand P, là, vous m'avez déjà vu, moi, avec un gars. À part mes vidéos avec Mayo, là, moi, je n'ai jamais fait des vidéos nues pour envoyer un homme, même. Je n'ai jamais fait ça. Ça ne peut pas être moi. Ça ne sera jamais moi. J'ai des principes. Je sais me fixer des principes. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas laisser cette histoire. Trop, c'est trop. Mais bébé, j'ai eu la migraine. J'ai pleuré des larmes de sang. Parce que j'ai réfléchi, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, mais ils me font ça pourquoi? Pourquoi autant d'attaques? Depuis combien d'années on m'attaque. On ment sur moi, vous faites des coups d'état sur moi. Souvent, des gens font des publications.
Une année, c'était au Sénégal. Ils sont partis mentir sur moi que j'insultais les Sénégalaises. Pour dire aucune Sénégalaise n'est jolie, aucune Sénégalaise ne peut se comparer à moi. J'ai démenti. Parce que ça peut mettre deux pays en guerre. Je n'ai rien fait, ils sont partis mentir sur moi. Après encore, ils ont réfléchi à comment faire du mal à Doxy. Ils sont partis dire que j'ai insulté les Gabonaises. Ou même la jolie artiste gabonaise avait fait la vidéo à sa copine pour dire que j'ai vraiment fait cela. En tant que pourtant, j'ai démenti pour dire que ce n'était pas moi. Ils ont cherché encore comment déstabiliser Doxy. Quand Fally a eu son malaise là, ils ont fait encore un post pour dire que Doxy dit qu'on empoisonnait Fally ou pas à Abidjan pour venger la mort de Arafat. Je suis obligée de démentir. Pourquoi autant de mal sur ma personne? Pourquoi autant de mal sur moi, ma personne? Qu'ai-je fait de si mal pour mériter cela? Excusez-moi, je ne vais pas pleurer devant vous. Je ne vais pas pleurer devant vous. Qu'ai-je fait de si mal pour mériter cela? Pourquoi autant d'attaques? Pourquoi vous voulez salir mon image et ma réputation à tous les coups? Vous avez tout fait depuis des années. Ça fait maintenant 5 ans que je suis célèbre. Vous avez tout fait pour me déstabiliser. Vous m'avez insulté. Vous avez tout dit. Sans effet. Et vous persistez dans la bêtise. Vous persistez dans la bêtise. Comment vouloir essayer de m'humilier? Je suis là tranquillement dans mon coin. Je suis en train de dormir. Je suis en train de réfléchir à mes projets. Je me réveille. On m'envoie des vidéos pour me dire, mais Edo, c'est quoi ça? Il regarde la vidéo, il dit, mais comment ça, c'est quoi ça? Mais ça, c'est pas moi. D'autres personnes m'envoient des messages. Edo, mais comment tu peux faire ça? Que j'aime mettre mon potassier silence. Ouais, depuis, on ne fait que m'appeler. De partout. Je dis, je ne peux pas faire ça. Au grand jamais. Les gens sont méchants. Là où la méchanceté s'arrête, c'est là que pour certaines personnes commence. Moi, je vous ai fait quoi? Moi, je ne m'occupe pas de la vie de quelqu'un. Même les gens qui me font du mal, là, moi, j'ai pris pour eux. On m'a volé près de 2 millions au Burkina Faso. J'ai même prié pour la personne. J'ai dit, si Dieu a permis cela, peut-être que cette personne a plus de problèmes que moi. Moi, j'ai connu beaucoup de souffrances, j'ai connu beaucoup de difficultés. Mais je suis me relever. J'ai tout laissé dans les mains de Dieu. Vous avez tout fait, vous continuez à tout faire pour me déstabiliser. Parce que vous êtes jaloux. Mais priez, c'est Dieu qui bénit. En tout cas, moi, c'est Dieu qui m'a béni. Priez, Dieu aussi va vous élever. Priez, Dieu va faire, on va parler de vous. Si c'est parce qu'on parle de moi partout dans le monde, ça vous fait mal. Et puis vous voulez me déstabiliser là. Priez aussi, Dieu va faire, on va parler de vous partout dans le monde. Je n'ai jamais provoqué de peur. Si les gens viennent parler de moi, je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils me trouvent intéressante. Il y a eu beaucoup de préjugés sur moi. Des gens ont dit plein de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris que c'était des mensonges. Donc pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi me faire ça à moi? Je vous ai fait quoi de mal? Je vous ai fait quoi de mal? Mais bébé, c'est pas moi. Ils sont plus que méchants. Il m'envoie un message. Ils sont plus que méchants, mais bébé. J'ai tellement pleuré aujourd'hui. Parce que j'essayais de réfléchir pour dire comment on peut faire ça. Comment on peut faire ça? Et ce qui me fait mal même. Certaines personnes ont cru. D'autres même ont osé même se disputer entre eux. Non, c'est elle, d'autres, c'est pas elle. Non, c'est elle, d'autres, c'est pas elle. Aïe. Je ne laisserai pas cette affaire. Je ne laisserai pas tomber. Au grand jamais, je ne laisserai pas tomber. Je vais porter plainte à Abidjan. Je rentre bientôt. Je vais porter plainte. Je vais poursuivre cette personne jusqu'à ma dernière énergie. Cette personne-là, ou bien ces personnes-là, ils vont répondre de leurs actes. Mais bébé, ne pleurez pas. Oh. Ne mettez pas les
les émoticônes de pleurs, sinon Facebook sorcier là. Sinon Facebook sorcier là, ils vont te bloquer la vidéo. Je suis trop attaqué ces jours-ci. Tout ça, ça fait partie des attaques. Mettez le cœur ou les j'aime là. Ne mettez pas les pleurs, s'il vous plaît. J'ai assez pleuré pour que vous veniez mettre des pleurs, pardonnez. Mettez une... Non, ne mettez pas les pleurs, mes bébés. Par principe même et par moralité, moi et Doxia, je ne peux jamais me permettre de faire cela. Par principe, je ne peux pas. Je ne pourrai jamais faire une telle chose. Je ne serai pas longue, mes bébés. J'ai déjà trop la migraine. Je tenais à m'excuser auprès de mes fans et à tous ceux qui m'aiment sincèrement. Si un temps soit peu, ils ont cru ou osé croire que c'est moi dans cette vidéo. C'est pas moi. Je ne pourrai jamais faire une telle chose. Je ne pourrai jamais tomber aussi bas que terre, au grand jamais. Je tenais à m'excuser auprès de ceux qui m'aiment en toute sincérité. Je leur demandais pardon. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne pourrai jamais faire cela. C'est pas moi. Ils sont méchants. Laisse la, c'est la jalousie. Pour eux, là, ça dépasse la jalousie. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. J'étais couchée tranquillement. Et je me réveille. Je reçois des milliers de messages. Je dis, mais c'est pas moi. Je suis désolée, mais c'est pas moi. Je ne pourrais pas faire ça. Moi, grand-père, on n'a jamais eu de rapport sexuel. On doit se marier en décembre. Le sexe, ce n'est pas une priorité pour moi. On n'a jamais eu de rapport sexuel. Et même si j'ai des rapports sexuels, moi, je ne peux pas me permettre de filmer. C'est impossible. C'est impossible. Et pourquoi ils font ça? Donc, comme ça, quelqu'un peut se lever pour faire du mal à quelqu'un. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça même? Tout le monde est dedans, il est assis. C'est ce que tu fais. Il a dit quoi? Are you okay? C'est ça qui m'a fait mal. Le fait que des proches à moi ont cru que c'était moi là, c'est ça qui m'a fait mal. Je dis non, ça après j'ai bien regardé et vu que c'est pas toi. Donc mes bébés, excusez-moi encore si j'ai pris votre temps. Parce qu'aujourd'hui la mémoire, mais j'étais fatiguée. Je devais aller chez l'ophtalmologue parce que j'ai très mal aux yeux pour mes lunettes. La personne qui devait me chercher n'a pas pu venir, donc je dormais. Au moment où je me suis réveillée, j'ai vu qu'on m'envoyait plein de messages et ces vidéos. Tout ça là, ça fait partie des attaques. Quand tu es célèbre, quand tu es beaucoup célèbre et beaucoup suivi, les gens sont jaloux, ils cherchent par tous les moyens à te déstabiliser. Moi, je n'ai pas forcé quelqu'un à venir me suivre. Je n'ai pas forcé quelqu'un à s'abonner à ma page. On ne peut pas forcer un escargot à se coller au mur. Les gens sont venus d'eux-mêmes. Moi, je n'ai rien forcé. La célébrité s'est imposée à moi. Aujourd'hui, c'est à moi, je suis contente. Ma célébrité paye aujourd'hui. Donc, des gens mal intentionnés vont se lever de je ne sais où pour venir me faire du mal. Pour venir attrister mon esprit. J'essaie d'être un peu forte, de me rendre un peu belle pour venir faire cette vidéo. En toute sincérité, ça m'a fait mal. Parce que je me suis demandé et je me suis dit, comment une personne peut prendre autant d'énergie pour faire du mal à quelqu'un? Et la personne qui sur la vidéo, c'est elle-même qui a publié. Depuis hier, moi, ma seule publication que j'ai faite hier, je vous ai dit de voter pour moi pour les primaires. Aujourd'hui, je n'ai fait aucun poste. Si ce n'est pas quand je vous ai écrit pour dire que je vais faire un direct. Donc, si la personne dit que c'est moi j'ai publié ça sur où? Sur Facebook, où? C'est du n'importe quoi.
Il y a Joseph, mon cousin qui m'a dit, mais lui, il a déjà vu cette vidéo-là sur un site pornographique. Donc, vous allez aller soulever une vidéo quelque part, au bon milieu de nulle part. Vous fermez le visage, vous montrez le corps de deux personnes sans en effet l'amour. Et vous venez dire que c'est moi, qui ai publié. Voilà, si j'ai laissé ça là. Si j'ai laissé ça là, je vais poursuivre la personne. Je vais porter plainte. Les autorités compétentes vont se charger de cette affaire. Si j'ai laissé cette affaire là, changer mon nom. Il a mis mon truc là sur. Allô, tata, vu. Les gens ne font que m'appeler. Mais bébé, je vais vous laisser. Mais sachez que c'est pas moi. Je ne saurais faire ce genre de choses. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas ce genre de personne. Ma limite là. Dans mes vidéos, les en maillot de bain, en slip soutien. J'ai jamais fait des vidéos nues ou des vidéos en train de faire l'amour. Ça n'a jamais existé. Avec moi, ça ne va jamais exister. Je respecte la vie et le choix des gens. Moi, j'ai décidé d'être célèbre. Là, ça s'arrête à moi. Je ne pourrai jamais faire du tort à quelqu'un. Parce que quand je vais à l'église, je vais prier, je vais demander pardon à Dieu. Là, je ne suis pas venu commettre des bêtises. Et même pour mon propre respect même, là, je ne peux pas me filmer même en train de te faire l'amour. C'est impossible. Merci pour votre soutien. Je vais essayer de lire quelques commentaires et puis je vais me déconnecter. Je vais aller me coucher.